Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'hiver québécois. Je pense qu'il y a certains qui ont peur quand ils voient la neige, tout ça. Mais ça, c'est ce que vous voyez. Mais la neige est supportable. On peut facilement surmonter cet hiver québécois. Ce que je te dis, l'hiver québécois, c'est entre 4 et 5 mois. Ça commence officiellement en décembre, mais à partir de fin octobre, début novembre, attendez voir avoir la neige. Je tiens à vous dire que les vêtements que vous achetez, soit en Europe, soit les vêtements chauds que vous achetez pour venir au Canada, ne sont pas forcément adaptés au l'hiver québécois, au l'hiver canadien. L'hiver canadien a une particularité, qu'elle est vraiment, il fait très froid. Donc, je vous conseille d'arriver, préparer un peu d'argent, arriver ici, vous allez acheter des vêtements chauds. Je vous conseille aussi de venir en été ou en automne. C'est plus facile de vous habituer à passer l'hiver, pour votre premier hiver. Ce que je tiens à vous dire aussi, si vous avez les moyens d'acheter une voiture, arriver au Québec, pendant la période d'hiver, n'oublie jamais de déneiger la voiture. Parce qu'il y a une loi qui dit qu'une voiture non déneigée, vous risquez d'avoir une amende qui va jusqu'à 400 $. Pourquoi? Parce que si vous ne déneigez pas la voiture, si vous laissez la neige sur le dessus de la voiture, quand vous la roulez avec le vent, ça peut faire des poudrières de neige qui vont aveugler la voiture de la personne qui est en arrière de vous. Donc, il y a un risque d'accident. C'est pour ça qu'il est obligatoire de déneiger sa voiture. Donc, tout ce que je tiens à vous dire, c'est que l'hiver québécois, bien sûr qu'elle est rude, mais on vit normalement en hiver ici. Parce que si vous avez une voiture échauffée, mais si vous prenez le bus aussi est chauffé. Si nos maisons sont chauffées, on a les habits chauds, on porte des bottes d'hiver. Donc, finalement, l'hiver, on la passe normalement. Les centres commerciaux sont bien chauffés et puis on n'a qu'un souci à se faire. Donc, tout ce que je tiens à vous dire, c'est que si vous voulez venir au Québec, y vivre ou continuer vos études, c'est préférable de venir de vous arriver ici avant le début de l'hiver. Parce que si vous arrivez en période d'hiver, vous devez faire des courses en voiture, ça sera un peu problématique pour vous. Et puis souvent, si vous venez avec des habits qui ne sont pas adaptés, il faut s'acheter des habits et tout ça. Donc, je vous conseille de venir un peu plus tôt, soit en été, soit en automne ou au printemps, mais évitez la période d'hiver particulièrement. Mais si vous devez venir pendant la période d'hiver, ce n'est pas bien grave. Il suffit juste d'avoir quelques habits chauds. Quand vous arrivez de sortir de l'avion, portez quelques habits chauds et allez chez vous. Et puis le lendemain, allez vous acheter les vrais manteaux d'hiver. Avec ça, vous pouvez passer facilement la période. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire sur l'hiver. Et j'espère que mon témoignage vous a édifié. Et puis, j'espère vous voir aussi au Canada. Merci.